Hey, salut à tous, c'est Ekar et on se retrouve pour un nouveau défi Fortnite. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour faire le défi. Donc, faire sauter des trous de pêche au reste du requin à Sweetie Scent ou à l'étang poissonneux. Donc, vous allez voir, c'est très très simple. N'oubliez pas, du coup, de vous abonner à la chaîne, de liker si la vidéo vous a aidé et aussi à mettre le code créateur Bokuni. Voilà, j'ai complètement bégayé en écrit Bokuni. Voilà, B-O-K-U-N-I. Donc merci à tous ceux qui le mettront. Et dites moi dans les commentaires si vous l'avez mis ou pas. Et voilà, du coup on se retrouve sur la map Fortnite. Mais avant toute chose, les potos, avant de vous montrer le défi, n'hésitez pas à vous abonner à Wax Kyle Légende. Du coup c'est un membre de la team Fatalis qu'on représente avec moi et plusieurs membres de la team. Donc voilà les potos, je m'engage sur cette vidéo à si il atteint les 7000 abonnés grâce à nous. Donc voilà, vous mettez hashtag écart sur ces lives ou ces vidéos. Et bah tout simplement les gars, si vous arrivez à faire 7000 abonnés à Wasky Legend, je m'engage à mettre un skin par personne qui aura commenté cette vidéo. Et je pense que ça va me coûter très cher, mais je pense aussi que le défi est bien coriace. Saurez-vous le relever ou non? On va voir ça. En tout cas, le défi, encore une fois, c'est faire sauter des trous de pêche au reste du requin à Sweetie Scent ou du coup à l'étang poissonneux. Donc, les poteaux, tout simplement, le reste du requin est juste ici, ok? On a Sweetie Scent, on a des trous de pêche juste là et l'étang poissonneux, c'est celui-là, d'accord? Donc, entre guillemets, on a là, là et là. Je vais vous montrer du coup le premier endroit à l'étang poissonneux. Let's go! Et du coup voilà, je suis à l'étang poissonneux, donc je vous remonte la map encore une fois, voilà, c'est juste à droite de Holy Edge, donc juste à droite, vous allez voir, il y a un petit étang, c'est ici, donc sachez-le, il y a toujours un bidon d'essence là, je viens de tester, quand vous prenez le bidon d'essence dans votre main et que vous le faites éclater du coup sur un trou de poisson, ça ne marche pas, ça ne le fait pas exploser, d'accord, donc pour le défi, je vous rappelle qu'il faut bel et bien exploser du coup le trou de poisson, donc soit avec une grenade, une roquette par exemple avec un lance-roquette, ou du coup vous pouvez prendre un canot motorisé et tirer dessus, mais ça ne marchera pas du coup avec tout ce qui est déflagration comme du coup les bidons d'essence, lance-flammes ou etc etc, d'accord, bien qu'il n'y ait pas lance-flammes, mais vous m'avez compris. Du coup à cet endroit il y a deux trous de poisson, du coup comme on peut voir il y a celui à gauche et il y en a un au fond, donc voilà, généralement il y a toujours deux voire trois trous de poisson du coup à cet endroit. Du coup voilà, vous pouvez y spawn si vous le souhaitez. Du coup moi comme vous pouvez vous en douter, bah je n'ai pas d'armes qui me permettent d'exploser les trous, soit aussi j'ai pas de canot motorisé à proximité, du coup je ne peux pas faire le défi avec vous. Mais voilà, si jamais vous arrivez avec un canot motorisé ou autre, bah vous pourrez du coup casser ces trous de poisson, d'accord. Donc on va se rendre au prochain endroit du coup à Sweetie Scent. Donc pour le deuxième endroit, du coup on va aller à Sweetie Scent comme je vous ai dit, mais on va pas atterrir directement à Sweetie Scent. Pourquoi? Parce que là-bas il n'y a quasiment aucun canot motorisé, voire s'il y en avait, il serait pris instantanément d'assaut, parce qu'il y a énormément de gens qui vont spawn là-bas, vous en doutez bien. Du coup on va aller à un petit endroit un peu plus paisible, on va juste à droite de Sweetie Scent et vous allez voir que ici il y a à 100% sur des bateaux. Il y en a pas mal, il y en a 2 voire 4 qui spawnent à cet endroit là. Du coup vous aurez largement le temps d'avoir le vôtre, d'accord. Donc on va spawn là bas et on va prendre du coup un canon motorisé pour faire éclater du coup des trous de poisson à Sweetie Scent. Vous allez voir c'est très simple. Et voilà, du coup on atterrit à l'endroit où je vous avais dit. Donc comme vous pouvez voir il y a 2 bateaux juste à gauche. Normalement il y a toujours des bateaux à droite aussi, mais malheureusement je suis tombé sur un lobby où il n'y en avait pas. Donc voilà, donc il y a 2 bateaux à gauche. Donc comme vous pouvez voir je suis juste ici, donc au point blanc, d'accord. Donc je suis à côté, hein, voilà, je suis très très proche de Sweetie Scent. On va justement faire la route ensemble pour que vous puissiez voir un petit peu plus près. Donc voilà, hop, donc comme je vous ai dit les bateaux sont là-bas et on va du coup à Sweetie Scent juste ici. Et voilà, donc je suis arrivé et on a du coup 2 trous de poisson directement l'un à côté de l'autre. Donc voilà, vous allez voir globalement tous les trous de poisson se trouvent à proximité donc de ce ponton, d'accord. Donc vous allez tourner, vous allez regarder un petit peu tout autour. Généralement ils spawnent pas tous au même endroit, mais généralement ils sont globalement tous alignés au ponton. Donc voilà, vous pouvez voir, moi j'en ai 2 à proximité, je suis sûr que je tape au milieu, je peux tuer les 2 en même temps. Donc voilà, tout simplement les gars, le défi simple, vous mettez la roquette,
si j'y arrive. Voilà, du coup 1 sur 3, vous avez pu voir en haut à gauche. Et là du coup on va éclater le deuxième. Voilà, donc on peut voir 2 sur 3. Voilà, attraper du poisson c'est un autre défi. Mais là on voit 2 sur 3 du coup pour les défis de Sweetie Scent. D'accord. Donc là on va aller se rendre au requin pour le tout dernier endroit de ce défi. Et voilà, du coup je suis au requin. Donc voilà, requin, encore une fois c'est tout en haut de la map, donc au dessus de Coral Castle. Donc voilà, vous pouvez voir que du coup moi j'ai ramené donc un bateau. Voilà, donc ça c'est mon bâton à moi. Mais vous souhaitez du coup pour le défi, si vous voulez du coup un bateau, il y en a juste un là. Donc voilà, vous pouvez voir c'est juste à côté. Donc c'est juste à poser du coup avec la grotte du requin. Et à l'intérieur de la gueule du requin il y a également un autre bateau motorisé. Donc voilà, vous pouvez voir il y est quasiment 100% des games. Donc voilà, vous pouvez regarder. Donc un là et un là. Il me semble même, vous pouvez me rectifier dans les commentaires, mais il me semble que des fois il y a deux bateaux qui spawnent du coup à l'endroit là-bas. Donc voilà, tout simplement, vous pouvez avoir pas mal de petites choses. Donc là, du coup, on peut voir, on a le premier trou de poisson qui du coup à l'entrée de la gueule du requin. Donc pareil, et là je le tue et je vais valider du coup mon défi. Voilà, j'arrive jamais à viser, mais au moins au deuxième coup ça part. Donc voilà, on peut voir le défi est validé. Donc encore une fois, voilà, n'hésitez pas à faire le tour du requin. Généralement, il y a pas mal de trous de poisson, comme vous pouvez voir. Voilà, regardez, j'ai fait un tout petit peu de distance et il y en a déjà encore un autre. Voilà, etc. Et vous pouvez vraiment faire tout le tour. Vous verrez, il y en a pas mal. Là, il y en a deux juste à côté. Voilà, bref, vous pouvez finir votre défi ultra rapidement. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, c'était Ekar. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like. Mettez-moi du coup un petit abonnement. Et les gars, encore une fois, je vous rappelle que si Wax Sky Legend arrive à avoir 7000 abonnés grâce à cette vidéo et uniquement cette vidéo, voilà, donc n'hésitez pas à dire à vos amis, etc., de s'abonner à Wax Sky Legend aussi. Je ferai gagner du coup un skin à chaque commentaire de cette vidéo. Ça va me coûter ultra cher. Mais vous inquiétez pas, ce sera promis. Et du coup ce sera dû et je vous les donnerai les potos si l'objectif est accompli. Voilà, donc bonne chance à tous. Et sur ce, bah, moi c'était Ekar. Ciao bye bye, portez-vous bien. Et puis c'est tout, ciao.